Let's get to it. Salut les potos, Porto 95 Gaming. Nouvelle manip pour le don de véhicule. Pour ce glitch, on va avoir besoin de d'un centre d'opération, votre ami. Il n'aura même pas besoin de vous inviter à l'intérieur. Donc moi je suis avec mon pote Joe, qui provient de mon centre d'opération. Et pour faire le glitch, je suis en mode de visée libre. Comme ça je pourrais rejoindre quelqu'un dans les communautés avec un autre mode de visée. Donc là, je suis avec mon pote Porto. Et je vais lui dire qu'il monte à l'arrière de mon Fadjo. Voilà, le poteau, il se met à l'arrière du Fadjo. Et ce que votre poteau va devoir faire, il va devoir faire flèche du bas. Allez, sur Franck là, d'accord. Et rester comme ça. Allez, c'est parti. Voilà, le poteau, il se met sur Franklin. De là, nous, on va aller à l'arrière de son centre d'opération mobile. Vous venez ici, vous avez flèche de droite, votre poteau il va descendre de là, vous lui dites qu'il fasse rond et qu'il remonte, et à partir de là votre pote il peut se mettre sur les sharp cards et reprendre ainsi le glitch normal. Donc le poteau il est sur les sharp cards, de là on va aller vers la porte du garage. Une fois que vous êtes ici, vous allez faire croix sur parking. Vous avez la vue sur le casino. Vous faites une fois payé. Et de là, on va attendre une cinquantaine de secondes. Au bout de 50 secondes, vous direz à votre ami qu'il fasse triangle, ça fera descendre. Et qu'il fasse rond, ok, pour sortir du menu des sharp cards. Comme ça, nous, on va être inspiré à l'intérieur du parking avec un écran noir. Et un chargement infini. De là, vous rejoignez quelqu'un avec un autre mode de visée. Vous validez le premier, vous refusez le deuxième. Aussi simple que ça, les amis. Donc là, on attend une cinquantaine de secondes. Une fois les 50 secondes passées, vous dites à votre pote qu'il fasse triangle afin de descendre du Fadjo. Donc il fait triangle, il fait rond pour sortir des short cards. Voilà, il descend. Nous on est inspiré vers l'intérieur. Dès que vous allez avoir l'écran noir avec le petit chargement en bas à droite infini, on rejoint par la partie, par les communautés, quelqu'un qui est dans un autre mode de visée. Moi je fais deux fois de visée assistée vu que moi je suis en ligne. Validez le premier et vous refusez le deuxième. De là, vous allez faire start en ligne et on va dans le pack d'entrée dans le monde criminel. Une fois que vous êtes ici, vous faites rond, pavé tactile et suicide. Donc, de là, vous allez dire à votre pote votre centre d'opération. Ok, c'est là où ça change tout.
Donc mon pote il est derrière mon centre d'opération. Et quand moi je vais m'approcher du rond bleu, ça va me demander d'entrer seul ou avec les amis. Vous allez valider seul. Vous voyez, là j'ai le message. Une fois que vous allez valider, à l'écran noir, chargement fini, vous rejoignez une personne avec un autre mode de visée. Allez, c'est parti. Croix. Écran noir. Un tout petit chargement. De là, vous faites deux fois. De là, vous validez le premier et ensuite le deuxième. De là, vous voyez, je peux bouger, je peux courir, on me voit pas. Je vais m'approcher de la voiture, tout simplement. Je me mets face à la voiture et là, à peine je vais faire triangle, instantanément, on va atterrir dans le centre d'opération. Et le job, il est fait. Voilà. Ok les potos, c'était Porto 95 Gaming. Allez, à très bientôt les potos.